j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous faire donc mon premier haul de mes petits... En fait j'ai fait des petits achats pour moi-même en fait, donc des petits cadeaux quoi, avant Noël. Et donc je vais vous les présenter tout de suite, donc c'est parti. Alors premier article que je vais vous montrer dans ce haul, c'est des boucles d'oreilles que j'ai achetées donc à Camaïeu, comme vous pouvez voir ici. Donc c'est des petits flocons et des patins à glace. Je les ai achetés seulement à 5,95€. Je trouvais ça une très bonne affaire parce qu'il y a quand même deux paires de boucles d'oreilles. Et elles sont trop cute, voilà. Et j'ai voulu acheter ça parce qu'en fait avec ma petite sœur, on s'est pris un gros délire dessus. Deuxième article que je vais vous présenter, c'est un collier et toujours à Camaïeu. C'est un collier que je voulais vous présenter. C'est dans trois, donc trois petits colliers en un. Il y en a un qui est plus près du cou et après petit à petit ça s'éloigne. Et en fait c'est super sympa à mettre quand on a un petit décolleté. C'est plutôt sympa pour les t-shirts et tout qui sont un peu plus ouverts au niveau du col. Et ça j'ai payé seulement à 7,95€. Ça va, c'est abordable. Troisième article que j'ai acheté, que j'attendais impatiemment, c'est un sweat de chez Bisbee. Je me suis commandé ça sur le site de Bisbee et vraiment je suis vraiment trop fan de ce sweat. Il est de cette sorte là. Donc il est rose, blanc et après un bordeaux. Et vraiment il est trop beau et à capuche et tout, bref. Et vraiment je suis trop fan. Normalement il coûte 34€ et quelques. Et vu que j'avais une réduction, vu que j'ai la carte membre de Bisbee, je l'ai eu seulement à 24€ et quelques. Et vraiment je suis vraiment trop fan de ce sweat. Là je l'ai pris en XL. Je pense que j'aurais dû prendre plutôt un L parce qu'en fait il est quand même assez large. Et je ne savais pas qu'il allait être autant large en fait, parce que c'est la première fois que j'achète un sweat à capuche chez eux. Mais bon, je le garde parce que vu que ça rétrécit parfois au lavage, bah voilà, ça reviendra après vraiment à ma taille, donc je suis trop contente. Maintenant on va passer donc aux articles que j'ai achetés chez New Yorker. Vraiment je suis trop fan de mes achats. Alors le premier de mes achats c'est donc un t-shirt rouge. Pourquoi rouge? Parce que j'en cherchais un et j'en ai pas dans ma garde-robe de t-shirt rouge. Et j'avais déjà une idée de tenue dans ma tête de qu'est-ce que j'aurais pu faire et tout avec un t-shirt rouge. Et en fait voilà, j'ai trouvé celui-là. En plus il y a une petite écriteau dessus avec marqué Romantic Rose. Et voilà, je trouvais ça trop stylé. Je le mettrais sur moi avec soit normal, tout simple et tout, genre qu'avec ça, avec donc un pantalon noir, ou bien avec une chemise qui fait juste en sorte de gilet en fait. Et je l'ai eu vraiment pas très cher le t-shirt, je l'ai eu à 4,99€, donc 5€. Après il taille quand même assez petit je trouve. Normalement je fais entre du L et du XL en t-shirt. Et là j'ai dû prendre un double XL. C'est à savoir qu'il taille quand même assez petit au niveau de ces t-shirts là. Deuxième article donc de New Yorker. Là vraiment c'est mon préféré de mes préférés de la boutique en fait quand je suis allée. C'est donc un sweat avec Mickey. Oui. Vraiment je suis trop fan. Je l'ai acheté à 9,99€. Donc ça va, c'est abordable quand même pour un sweat. Et vraiment il est trop beau. Après c'est un sweat assez court, enfin, ça va, il est pas long quoi. Mais voilà, c'est sympa aussi à mettre genre quand t'as un pantalon taille haute. Je suis trop fan. Voilà, j'espère que en tout cas ce petit haul vous a plu. Pour ce qui est des articles que j'ai achetés en boutique, j'essaierai de vous trouver donc les liens sur leur site. Comme ça vous pourrez, si vous le souhaitez, en avoir un aussi, aller l'acheter. Vraiment, voilà. Si t'as aimé donc cette vidéo, bah mets un petit pouce vers le haut. Si t'es toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, bah, t'as juste à t'abonner, c'est gratuit. Et en plus ça me fera énormément plaisir de t'accueillir donc dans ma communauté. Donc t'as juste à cliquer sur s'abonner. Et voilà, ça y est, tu seras abonné à ma chaîne. Donc je te dis donc à demain pour une nouvelle vidéo et je te fais plein de bisous.
Ciao!